se trouve que dans deux jours, on rejoue ici même lundi soir. Ici, il faut qu'on soit en forme, c'est la journée des professionnels, le public du lundi et tout. Les journalistes et tout, mais je sais que vous gueulez pour la forme, mais vous êtes bien d'accord, vous savez très bien. Non, c'est pour ça, il faut qu'on fasse gaffe. Non, c'est sérieux, c'est important. En même temps, je vous taquine parce que moi, personnellement, ma soirée préférée, c'est le samedi. Tout le monde sait. Alors, je reconnais que ça peut un petit peu apparaître comme du cirage de pompe. Mais pour ceux qui en douteraient, mon fils s'appelle samedi. Mais moi, j'aurais pas dû vous dire ça, je veux pas acheter votre sympathie. Jugez le concert objectivement, comme bon vous semble. Faites abstraction du fait que j'ai l'admiration, du respect, de la quasi-dévotion pour vous, enfin... j'en ai trop dit, revenons, pas du tout... Là, vous connaissez le principe, par exemple, j'ai besoin d'un babysitter qui je vais pouvoir appeler... Pas du tout. Ou pas du trou, qui est une variante de mauvais goût. Ça, on fait pas lundi, hein. Non, du respect pour le public du lundi, hein, par contre, c'est très important. Ce sera peut-être trop compliqué, ce sera peut-être trop dur pour vous. Pas du tout. Merci, et merci de jouer le jeu, comme quoi ce qu'on dit sur le public de Paris, que public satisfait, qui se la pète. D'accord. Moi je prends votre défense, mais si vous saviez ce que disent les autres chanteurs à votre sujet. Oh non, il n'y a pas que Paris, hein. Paris, la banlieue, la province en général. Sauf les ch'tis. Je dis, 20 millions d'entrées, la plus personne critique, là tout le monde a peur. C'est une espèce protégée, quoi. Le ch'ti, c'est un peu le panda du 3-20e. Mais c'est valable que pour les ch'tis. Non, dans les dîners en ville, comme on dit, si vous saviez ce qu'ils disent de vous, moi ça m'anéantit. Ça me coupe l'appétit, même des fois, j'ai même plus envie de toucher à mon caviar. Je goûte un peu, tu vois, je rejette, je partage pas le plaisir de gâcher, la satisfaction de savoir que ça profitera à personne. Puis souvent le caviar, j'en ai déjà mangé à midi, tu veux donc faire mon petit. Par contre, je prends votre défense. Des fois, je suis à deux doigts de quitter la table. Je leur dis, mais comment osez-vous parler comme ça du public de Paris? Notamment du public du samedi de Paris. C'est des gens honnêtes, nobles, droits, bon, qui n'ont pas beaucoup d'humour. Qui ont le cœur sur la main, qui ont encore le regard franc, qui ont... J'en fais trop, oui, d'accord. Alors, revenons. C'est quoi un Américain avec un chapeau sur un cheval? Un cow-boy. C'est pas du... Alors, je veux bien prendre votre défense, mais il faut quand même m'aider un petit peu, hein. Non, c'est important, ça, peut-être, parce que là, voilà. Alors, on se... Hein. Non, j'en parle pas, qu'est-ce qu'on fait comme chanson une fois qu'on a fini celle-là? À la campagne. Exactement! Il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air à la campagne. On se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain.